délégué invité, membre du corps diplomatique, représentante de UNDP, merci pour un très très grand discours de haute facture, madame. Mais madame la ministre, madame Kunjusha, quel grand moment vous nous faites vivre pendant ces 15 minutes que vous nous causez pour faire nous rappeler qui nous responsabilité à nous tous hommes, femmes, pour un combat qui nous amène à une meilleure société dans nos pays. Merci beaucoup, madame Kunju. Merci pour tout ça. Laissez-moi saluer évidemment la grande salle, la grande masse de madame qui réunit aujourd'hui pour nous célébrer ensemble la journée internationale de la femme. Les temps m'ont rentré ce matin, c'est là où l'écran, tout le thème pour madame, et me trouve haine au milieu, political empowerment. Livré qui pendant très longtemps, nous fit mettre beaucoup l'accent la femme dans son environnement personnel, dans son case, dans son travail, un régime de protection pour empêcher de faire l'objet de discrimination. Livré qui pendant longtemps nous fit oublier un peu. Et nous pas trop la guerre, la femme dans son environnement politique, la femme dans la vie publique, dans la vie professionnelle. Mais il est vrai qu'en même temps, quand nous guettons le service civil, comment madame la ministre fait dire à nous, nous trouver comment la femme il arrive à un pied d'égalité, non, et même dépasse les hommes dans le service civil. Je connais, moi, dans mon ministère, comment les femmes abattent un travail extraordinaire. Je ne peux pas dire que les hommes travaillent moins non plus, mais les femmes dans le judiciaire, dans la police, dans la douane, ils arrivent à un niveau d'égalité avec Banjon. Dans le monde du travail, il est vrai qu'il y a encore beaucoup de domaines. Pour quelques mois dans mon ministère, CEB, Wastewater, nous pouvons encore la guerre pour qu'il y ait une madame capable de rentrer dans sa monde des Banjon, qui Banjon croit s'ils autres qui sont capables de travailler. Dans ces WA, nous faisons progrès. 50% de directeurs au bord de ces WA, c'est ma femme. Dans ces EB, nous avons des madames passées. Dans Wastewater, nous avons des madames passées au bord. Nous visons progresser. Au niveau grassroots, nous finissons mettre sur pied le Home Solar Project et nous trouver que 50% des bénéficiaires panneaux solaires photovoltaïques, 50% pardon, finissent bénéficier à des ménages qui sont utilisés par des madames, tout seul avec leurs enfants, équipés de la guerre, capables de survivre. Mais seulement, il y a un autre aspect dans la lutte, c'est l'avancement au niveau politique. Nous avons un système électoral qui défavorise pas madame faire politique. Et dans le système électoral, oui, mais il a aussi une mentalité. Comme au guet certaines zones, pas beaucoup raisonnement. Manière, je te fais remarque, madame députée.
juste parce qu'il dit madame une tire photo avec un autre collègue d'une fonction officielle, faudrait écouter qui qualité remarque. Mais moi dire à nous madame qui fait politique, pas bizarre les autres intimités. Nous disons les voir. Pas de jour, madame. Quand qui fait commentaire, l'eau, madame. Parce que vous connaissez, traditionnellement dans le pays, politique est dominée par un establishment. Et c'est pour ça que la ligne est un peu plus longue. Mais récemment, sous l'ancien gouvernement, le Premier ministre nous présente un projet électoral. Un projet bien simple. Nous disons, vous avez l'élection pareille, comme on nous connaît ici, mais après l'élection, vous avez un certain nombre de sièges qui pour réserver, pour qu'il y ait un leader politique capable. Désir, pas de madame pour rentrer dans le Parlement. Il regrettable que l'opposition il empêche l'épanouissement, madame, parce qu'il nous bise une majorité de trois quarts pour nous capables d'améliorer la représentation de madame. Aujourd'hui, nous avons 14, madame, fois dans le Parlement. Il n'est pas assez. Il est bien tiré. Mais il y a une récord. Qu'on compare avec le Parlement avant. Il y a une réponse, nous disons, améliorer. Pour ça, il y a une seule manière. C'est que nous tous, hommes, femmes, nous disons faire pression à l'opposition. Nous disons harceler les autres. Dans Facebook, dans SMS, dans lettres, dans réunion. Pour dire que ce bizarre vote l'amendement pour réforme électorale pour qu'il soit madame capable de représenter dans le Parlement. Et c'est ça qui peut arriver à sens mentalité nous pays et faire nous pays fin les pays qui nous envient, qui l'y définit. Ma camarade madame et aussi nous, les camarades hommes, nous avons un long combat. Combat-là, nous pouvons faire ensemble, mais combat-là, nous pouvons réussir. Et dans nos mandats, dans nos programmes électoraux, nous pouvons revenir avec réforme électorale pour qu'il y ait madame représentée au Parlement. Et nous pouvons aider un par un lesquels députés qui votent pour, lesquels députés pour votre compte, après nous avoir réglé les autres comptes. Merci. Tout d'abord, nous vais célébrer aujourd'hui donc bonne fête à tout bonne madame, tout bonne petite fille, qui présent, au besoin de dire, en si grand nombre, parce qu'il malgré un mauvais temps, mais non seulement qu'il a salle remplie, nous faisons comme d'habitude, nous faisons présenter nos excuses à toute bonne madame qui n'a pas de place ici à l'intérieur, mais qui peut bien sûr suivre nous en direct et peut écouter nous. Et vous saluer aussi toute bonne madame qui peut suivre cet événement-là à travers retransmission à la télévision, radio, internet. Aujourd'hui, il y a une facilité extraordinaire. Et moi aussi, il y a qui peut suivre nous aussi depuis l'extérieur. Donc, saluez tout et merci pour votre présence. Parce que votre présence en si grand nombre aujourd'hui. Il veut dire, bien sûr, que nous venons pour célébrer, mais surtout,
pour nous continuer à mener ça, la lutte là, ensemble. Pour capable faire reconnaître le droit de madame. Et pour bien saluer aussi madame monsieur. Parce que dans ça, la lutte là, les demandes, bien sûr, l'engagement de madame, mais il demande aussi l'engagement de madame monsieur pour nous capables d'atteindre l'objectif qui nous vient fixer. Moi aussi, moi, j'ai une pensée spéciale pour tout le monde qui milite pour faire la cause de la femme avancée. Dans le passé, combien pas avec nous, actuellement, et vous saluer le courage de tout bonne madame qui me travaille dire qui sont dans le carreau, sont dans l'usine, je peux faire un petit business. Et si à nous aussi, dans la case, ce travail qu'ils ont fait, qui vous a dit malheureusement, bien souvent, peine non seulement une reconnaissance, mais peine même une appréciation donc, de sa contribution énorme qu'ils ont apportée au niveau de la famille et au niveau de nos sociétés. On dit bravo à tout ça, madame là. Aussi, bien sûr, saluer, comment me dire, tout le monde qui joue un rôle encore plus important. Comment madame la ministre il mentionnait tout à l'heure, nous ne pouvons pas oublier la contribution de Sadio Boudjagna. Et bien sûr, finalement, aussi les autres. Mais, on peut toujours dire, tout le monde bizarre milité. Mais quand vous êtes dans la responsabilité, quand vous êtes dans une position importante, surtout quand, à travers le pouvoir, vous êtes capable de faire des affaires arriver, ou bien, si vous êtes dans la conviction, ou bien montrer si bien qui bien. C'est pourquoi Sadio Boudjagna fait non seulement un dimon qui fait, comment le dire, prendre toujours à ce qu'il reconnaît la contribution de madame dans le progrès et le développement de nos pays. Mais les filles aussi passent à l'action pour capable améliorer le sort de madame. Bien sûr, nous pouvons continuer l'osassimé là. Et si, je vous dis, le sort de madame fait bien progresser, nous devons reconnaître qu'il y a encore et dans un grand défi qui nous a relevé. Et mon besoin de moi aussi à ce que madame la ministre dit tout à l'heure là, concernant violence contre madame. Lit malheureusement encore une réalité. Nous n'avons pas capable de dire qu'il nous vivre dans un pays moderne tant qu'il peut y sa qualité de violence. Là. Il pas besoin de mentionner pas l'exemple, mais il n'est pas possible qu'ils ont dit madame encore peut gagner une partie, encore peut perdre la vie
régulièrement nous trouvons violation de droits de madame, de droits humains. C'est pourquoi nous disons nous tous continuer à rester mobilisés face à ce plusieurs types de violence qui nous peut trouver. Crimes passionnels, violence dans le ménage, violence dans le travail, qu'il y physique ou verbal aussi, à travers tout cas des commentaires sexistes, à travers un dénigrement, nous n'avons pas capable d'accepter qu'il madame subir un traitement pareil. Bizarre, mais un frein. Et c'est pourquoi nous, gouvernement, nous continuons à agir. Par exemple, sécurité pour tout le monde, mais surtout pour madame, les haines des moments de priorité. Nous avons trouvé, nous commençons un projet, un grand projet, qui s'appelle Safe City, pour nous investir beaucoup d'argent, mais 4000 caméras à travers le pays, plaisir dans l'équipement qui est installé, nous pouvons servir de dernières technologies et déjà nous pouvons trouver des résultats. Nous finissons trouver qui manière nous sommes capables de résoudre un certain nombre de crimes. Un certain nombre de cas continuent contre la loi. Et mon camarade, dans beaucoup de ces cas-là, malheureusement, une madame qui est victime. Aujourd'hui, il y a la loi qui est sévère, qui protège madame. Mais malheureusement, il a dit bon, continuer à le contre la loi. Et c'est pourquoi le gouvernement vient de mettre sur pied un comité de haut niveau, présidé par moi-même, Premier ministre, parce qu'il m'a envie que tout le monde comprend l'importance et qui manière nous peut donner l'attention qui bizarre pour qui est capable si bizarre réponse ma stratégie prévoit le rôle de ma institution créer la loi si vous bizarre parce que nous n'avons pas capable de laisser sa situation là continuer. En tout cas, nous pouvons continuer à agir et moi aussi vous répéter, nous ne sommes pas capables de gagner une solution définitive sans qu'il y ait un changement de mentalité de la part de votre zone. Donc, bizarre, continuer à faire l'éducation à tout niveau, l'éducation de nos enfants. Il faut toujours dire, les hommes qui servent violence, qui manquent du respect, c'est les hommes qui ne font pas gagner l'instruction pour mon bizarre. Quand il y a l'éducation, grand degré, qualification, quand vous mettez, certains, vous ne restez pas même. Mais seulement comment pour composer dans la société, comment pour avoir un respect pour madame, zéro. Mais ça, il y a quelque chose qui nous peut adresser. Il faut dire dès plus jeune âge, un enfant
les besoins qu'on grandit avec et apprendre la valeur qui besoin. Et pour nous, ce qui finit arriver à une certaine âge, mais peine à l'âge pour apprendre, et peine à l'âge pour changer dans l'habitude. C'est pourquoi je lance un appel à mes parents, à toutes les organisations non gouvernementales, aux travailleurs sociaux, pour qu'ils ensemble nous relèvent ce défi-là. Et comment la ministre me dit, il est bon qu'il me répète à chaque fois, nous attendons qu'il du monde agir correctement. Et comme on dit à nous, on peut dire à du monde qui est dans une position d'influence, surtout les politiciens. Et nous toujours faisons un conseil. Nous toujours peut dire qui besoin faire. Et nous peut dire aussi qui n'a pas besoin faire. C'est pourquoi nous ne sommes pas capables de disposer. Nous besoin de donner l'exemple. Et en tant que Premier ministre, nous avons toujours montré respect pour nos TV, pour nos madame. Nous avons toujours fait considérer que tout ban madame, tout ban TV est dans le même droit que ban monsieur. C'est pourquoi nous causons, nous plus cause droit de l'homme, nous causons droit humain. Et tout le monde connaît, tout le monde témoigne pour ban action. On ne parle pas dans le détail, combien quelque chose qui nous peut faire. Et c'est pourquoi je finis bien apprécié quand on trouve dans le message du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui lui vient dire, malheureusement, qu'il pendant beaucoup de temps, et en cours bien arrivé, aujourd'hui, qui va nous missier, certaines vont nous missier, qui peut, pour aller servir le mot, used and abused, de pouvoir, de la loi, pour capable de continuer exploiter, madame. Nous finissons trouver ici même comment un ancien Premier ministre finit servir le pouvoir pour se prendre l'avantage avec Banzanvi. Nous venons trouver comment ce même Premier ministre il servit pouvoir et pour donner faveur madame encore une fois pour abuser de madame manque du respect et encore et non l'audace et le culot pour taper l'estomac pour dire qu'il a un style, s'il vous plaît. Et même nous, écoute mon témoignage d'un jeune fille qui vient de dire qu'il m'a dit à son moment, il a battu à coup de 10 bois. Mais ça, l'interpelle nous tous. Pas juste madame, monsieur. Et c'est pourquoi, vous avez dit malheureusement, quand vous avez un sacré comportement là, et quand on trouve nos bons enfants ou nos aînés, quelque ça, malheureusement, et un influencé, et pour nous suivre, ça a été l'exemple. Et c'est ça qui nous a condamnés. C'est ça qui nous a continué à dénoncer. Et c'est pourquoi je dis, madame, vous aussi, vous avez une grande responsabilité dans cette lutte-là. Et mon content ici, qui, dans nos républiques, qui d'ailleurs, majorité de nos populations dans nos républiques,
plus que 50% c'est madame. Donc vous réalisez qui pouvoir madame est là? Si je dis à nous, je parlez moi je dis faire. Faudrait, et moi me convaincre dit comme ça, moi si mon gars et mon équipe, nous gagnons un grand support de madame qui nous fait à nous confiance pour nous remettre là en cause. Ce que Madame la ministre vient de dire, l'important que Madame soit capable aussi de vous donner votre propre pied. Pour ne pas être dominé. C'est pourquoi autant quelque chose qu'il nous peut faire. Une série de bonnes mesures, un grand changement qui nous permet, la loi travail, salaire minimum qu'il mentionnait, pour réaliser. Pas plus tard de quelques mois de cela, madame, tu fais tous 1500 000 par mois comme salaire. Je vous dis, c'est l'avancement qui finit là. Aussi, tout ça va, madame, là, apprécier. Rémunération pendant congé maternité, même si les comptes. Moins que 12 mois. Ça aussi, mine changé. Dans Bitsé, l'année dernière, il y a eu une corrige, une inégalité qui vient d'exister depuis bien longtemps dans la fonction publique. Madame fonctionnaire, tu peux bénéficier de congé maternité, l'eau full pay jusqu'à un maximum de 3 accouchements. Nous enlève sa limitation là. Et en plus, congé maternité fin augmenté de 12 à 14 semaines. Comment vous êtes trouvé dans la vidéo? L'eau de l'institution parapublique obligatoire qui est au moins dans une présence féminine. Parce qu'il nous croit dans la capacité, madame, et vous retirez vos actions, témoigne de vos volontés pour qu'il nous capable de donner, madame, plus sens, participe à tous les niveaux dans la vie du pays. Vous êtes entièrement d'accord avec ce que le député Premier ministre a dit, et vous ne pas vous répéter. Parce qu'il y a un grand effort pour faire au niveau politique, à tous les niveaux. Mais seulement, encore une fois, nous fiers de nos gouvernements, ce qui nous réussit faire. Pour la première fois, grâce à nous, Maurice Fincon est président de la République qui tient madame. Pour la première fois, grâce à nous, nous pays Fincon un speaker qui tient madame. Pour la première fois, grâce à nous pays Fincon un vice-premier ministre, madame Doriaou. Pour la première fois encore, grâce à nous, le pays connaît l'autre vice-premier ministre et numéro 3 d'un gouvernement, madame Lila Devine-Kanlachman. Pour la première fois, grâce à nous, le pays connaît un chief whip, madame, pour la première fois. Pour la première fois, grâce à nous, le pays connaît un second deputy governor de Bank of Mauritius qui est madame. Ceci dit, nous avons une longue semaine pour faire encore. Et nous visons faire des sauts
qui nous continuer faire plus. Et ça a démontré capacité et compétence, madame. J'ai là, mais j'ai besoin d'un encouragement. J'ai besoin de gagner un support. Et si à tout, j'ai besoin de gagner une considération. C'est pourquoi, du bon moment, je donne un exemple qui, parfois, tu peux oublier, mais qui manière est plus important pour nous empower, madame. Comme dit le ministre des Finances, tu passes une mesure pour qu'il nous capable donne madame l'occasion de prendre un loan jusqu'à 500 000 roupies sans garantie pour capable commencer un petit business. Avec un taux d'intérêt de seulement 3%. Mouler avec les temps, en tout cas nous pouvons suivre, mouler qui avec les temps, nous gagnons plus beaucoup madame, qui donc gagne accès à ce financement-là, et capable donc, comme on peut dire, de nous poser nos propres pieds. Et commande aussi le respect de votre mission. Laisse-moi dire malheureusement que dans le plan économique et dans le plan de l'autre défi qui nous vise à relever, qui nous bâtit à Tan, c'est le coronavirus. Comment je dis trouver, il peut répandre dans beaucoup de pays à travers le monde. Situation peut être critique. Et bien sûr, nous prenons des mesures. Et puis ça ici, nous pouvons faire le maximum, mais pendant aucun système qui donne nous 100% de sécurité. Il pas existe. Mais nous pouvons rester vigilants. Nous connaissons déjà que l'économie pour affecter plusieurs secteurs, le tourisme, le secteur manufacturier, le commerce. Tout ça là peut déjà affecter actuellement. Et dans les semaines, dans les mois qui peuvent venir, il vous plie affecté. C'est pourquoi le gouvernement prend des mesures. Déjà, il vous dit, je vous suivre, je vous connais. Donc nous pouvons diminuer certaines dépenses. Nous voulons que tout le ministère baisse les dépenses courantes. Bon, au moins 10%, et là, célébration pour la fête de l'indépendance et de la République. Encore une fois, le gouvernement donne l'exemple, et donc nous coupons beaucoup, pas beaucoup, pas de dépenses qui ne t'y pour faire. Ou bien, en passant, vous saluez aussi, au moment des affaires libres, mais vous saluez le personnel de la santé, tout le monde qui. Impliquer tout le monde qui me donne coup de main, mais en particulier, parce qu'il y a beaucoup de madame qui me travaille dans le secteur de la santé, qui peut dévouer les autres corps et âme, peine à l'air, et qui, grâce à eux, sa vigilance qu'ils ont fait montrer là, jusqu'à l'air, nous pouvons encore un cas de coronavirus. Dans Maurice, c'est ce qu'il y a. Mais, quand vous pouvez dire ça, vous répondez à l'Assemblée, vous dire le danger est grand parce qu'il nous gagne autant de visiteurs, donc qui nous demandent le secteur du tourisme, autant de visiteurs qui, tous les jours, rentrent dans nos pays, mais nous pouvons faire le maximum pour capable continuer et éviter ça. Alors, laisse-moi terminer, et je termine encore une fois. Donc, si à tout ça, question de mentalité. Et là, on l'appelle dit beaucoup plus à ma mission, pour qui nous véritablement prenons conscience qui rôle, madame, jouer
dans nos pays et qui ce droit était. Et chacun d'entre nous, nous visait faire des choses qui se mettent droit là, respecter. Mais toujours dire une affaire, surtout par rapport à violence physique. Un missier qui servit violence physique, nous, une madame, nous pas capable d'appeler un humain. Il descend au niveau d'un animal. Et nous visait. Nous sommes bien faux dans ma dénonciation quand nous faisons ça. Et vous espérez que surtout les hommes qui sont en manque d'égard vis-à-vis de madame, qui tout le monde est capable de connaître qui sont les hommes là, ça, ou qui au moins sont capables de mettre la honte dans les hommes. Vous espérez la honte aussi. Capable de faire eux amener à sens de l'amitié et de mentalité. Alors, en ce jour, c'est un jour symbolique, mais tu peux dire ça, pas par critique à mon collègue, Madame Kondjoucha, mais surtout par rapport à l'interprétation qui dit que nous avons. Avec raison de dire qu'il nous prenons un mois. Pour célébrer donc madame un mois d'activité d'ailleurs et vous félicitez qui ce ministère mais organise un mois d'activité donc surtout pour madame mais faudrait qu'il nous célébrer madame pendant toute l'année et tout le temps.